Alors, nous venons d'assister à un très très joli concert avec des jeunes qui nous viennent d'Espagne. Oui, c'est ça, ils viennent de Séville. Alors, moi je suis Dominique, je suis famille d'accueil pour ces jeunes que j'accueille. Alors, j'ai accueilli Irénée et Clara et on est très contente de les accueillir pour faire le tour toutes les communes, des communes principales des Deux-Sèvres. Voilà, alors ici nous sommes dans le nord de Sèvres. Alors, Guylaine, je crois que vous êtes responsable de la logistique. Oui, si on peut dire. Je m'occupe de la partie famille, donc l'accueil des familles, des jeunes dans les familles. Donc ça, c'est une particularité de notre association, puisque nous considérons qu'il est important que les jeunes puissent connaître un petit peu notre région. Voilà. Alors, les Euroquestries, c'est en fait un bel événement qui est organisé tous les deux ans et voilà, qui a débuté en 2005. Voilà. Et qui rassemble plusieurs, en fait très cosmopolite au niveau de la jeunesse qui est appliquée, des musiciens. Exactement, donc là nous accueillons 5 pays, nous accueillons les Espagnols, nous accueillons des Autrichiens, des Ukrainiens. Et jusqu'à maintenant, les concerts étaient donnés surtout dans le sud des Deux-Sèvres. Et c'est une première pour cette année, puisque nous nous étendons un petit peu dans le nord, donc Bressuire aujourd'hui, et demain nous allons à Glénay. Très bien, en tout cas merci de nous avoir fait profiter du talent de ces jeunes, de futurs artistes renommés très probablement au vu de la virtuosité. Hein. Tout à fait, vous avez entendu. Oui. Voilà, nous avons un chef d'orchestre qui sait aussi mettre en valeur les musiciens. Très bien, je crois que ça passe bien entre eux en tout cas. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, merci. Mesdames. Et puis, au plaisir de voir ici à Saint-Sauveur ou dans une autre de nos communes déléguées. Merci. Merci. Thank you.
Thank you.